bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lazara Summit Kingdom. On continue notre petite aventure dans cette sympathique zone qui n'a pas de nom, qui s'appelle, je ne sais plus. Cérépique, c'est ça, tout à fait. Il fallait qu'on fasse des élevages d'oyak. Alors, les élevages d'oyak. Le petit élevage d'oyak. Il faut du champ d'orge pour faire de la paille. Ensuite, on fait sécher la paille, ça fait du fourrage. Et on a des petits élevages d'oyak. Donc, on va pas avoir assez de paille, du coup, effectivement. Parce que il faut 4 de paille pour faire 4 de fourrage, et 4 de fourrage pour un petit élevage d'oyak. Là, on a un surplus de 12, c'est-à-dire 3 x 4. Il nous faudrait 4 x 4. Donc, il faut qu'on récupère ça. Donc, on va mettre une petite route un peu plus optimale. Et on va même relier là. Et là, on est à portée. Parfait. Parti. Hop, 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 et hop. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse sécher tout ça. Donc on va pas mettre ça sur cette zone, parce que c'est pas idéal. Qu'est-ce qu'on a comme zone où il nous resterait de la place pour mettre ce genre de choses? Là, on pourrait mettre du fourrage. Hein. C'est un bâtiment qui est assez petit. Quand même qu'on l'optimise, mais ouais, ici, limite, ça serait pas si mal. On vire cette route-là, là. Qui sert à rien, on peut déjà en caser quelques-uns, là. Il en faut 4, donc ça passera pas. Est-ce que toi, on peut te bouger, genre ici? Ouais, mais là, on peut mettre des maisons, là. Mettre une ou deux maisons. Bon, on va pas s'embêter pour le moment. Là, on continuera de mettre du charbon si jamais la question se pose. Pour le moment, on va les mettre là. Donc il nous en faut au moins 4, c'est ça. Ça fait 4 pour 4, et il en faut 4. Donc il nous en faut 1 par comptoir Ayak. 4, exactement, Shoviti. 4, tout à fait. Tu le fais très très bien. Merde, j'ai fait de la route comme ça. Alors ça coûte de l'entretien, donc même si ça me coûte de l'argent de la refaire, je préfère la défaire tout de suite. Hop, ensuite. Toi du coup. Tu envoies là, tu envoies là, tu envoies là, tu envoies là. Donc là, on a du séchoir pour nos petits trucs à yak. On n'a plus assez d'artisans, mais c'est pas très grave. Et alors ça, normalement, on peut le mettre où on veut. Hein. C'est ça. Du coup, on aurait peut-être tout intérêt à le mettre pas loin. Ça, c'est hors d'accès. On peut en caser un là par exemple, un là, même un là, tiens, et hop, toi, tu vas dégager. Et du coup, ça veut dire que on peut peut-être même... Ah oui, du coup, j'avais déjà posé ça, pas très grave. Donc c'est un peu... Non, en fait, c'est con, c'est très con ce que je fais. Arrête d'envoyer... Voilà, toi... Arrête tous tes transports. Réinitialiser. Voilà, on le désactive, il nous servira bien un jour. Toi tu vas ici, toi tu vas... Vu que c'est un pour un, on peut s'économiser ce truc là si on les fait proches. Ça nous fait 59 yaks quand même, hein, ça aide. Je commence à me faire du souci. Comment allons-nous nourrir tout ce monde? Eh bien, il y a bien un moyen. Oh, vous avez une idée? Dites-moi plus. Je suis pas sûr de vouloir, ça représente beaucoup de travail. Ce n'est que par l'effort et la constance que nous atteindrons la grandeur, les textes sacrés le disent. Très bien, je préfère travailler que vous écouter pontifier encore une fois. Il y a un endroit juste avant le sommet où nous pourrons trouver du sel, et avec du sel, nous pouvons préparer de la viande fumée pour tout le monde. Splendide, allons-y. Donc il faut faire de la viande fumée, alors pour faire de la viande fumée... Non, pour faire de la viande fumée, on va tuer des chèvres plutôt. Il va nous falloir plus de charbon, ok, parfait. Et salut Sir Madness, merci beaucoup pour le raid, bienvenue à tous les raiders, hein. J'espère que vous allez bien. Les chèvres, c'est comme les yaks, mais en plus petit, avec des yeux très bizarres. Je pense qu'on va pouvoir se faire une seule mine pour commencer. Ça produit 4 sels, ok. Salut Karz, bienvenue sur le live, salut Quinquageek. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue.
Alors ici, on va la faire là. Et on va monter au plus près. Hop. Voilà. Et ici, on va pouvoir faire notre petite route qui va ici, qui se recoupe là, pourquoi pas. Donc c'est transporté nulle part, mais de toute façon, on va devoir faire un comptoir dans le coin, c'est pas trop la question. Tout de suite faire une route ici pour prévoir les mines suivantes, et un comptoir. On peut faire un comptoir à yak. Parce que c'est bien utile, on a plein de yak. Ça coûte des moines hein, par contre. Ce serait certainement plus optimal ici. Salut Sir Madness, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Ce serait certainement beaucoup plus efficace pour transporter les œufs. Par contre, c'est tellement grand. Comment on ferait si on voulait le placer par là? Décaler un peu des œufs. Il était sûr que... Sur quoi t'étais, Mad? Nous demande Choupiti. En ce moment, t'es sur Rimworld, non, je crois? Il va falloir qu'on puisse se faufiler, là, faire des routes. C'est Lazara Summit Kingdom, ce jeu. C'est un builder, là, qui est sorti très récemment, qui est sorti jeudi. Et qui est, ma foi, très très bien. Notamment sur la partie optimisation des schémas, de la map, etc. Que j'avais pas du tout... Enfin, quelque chose que j'avais pas réussi à retrouver depuis... T'es pas apporté, toi? T'es sérieux? Bon, ok. Que j'avais pas retrouvé depuis Irsland. Et qui me fait bien plaisir à revoir. Donc là, on sera jamais à portée, ça c'est clair. Toi du coup, t'envoies tes œufs là-bas et t'envoies tes œufs là-bas. Non, c'est pas ça. C'est le marché. Voilà, parfait. On a fait 5 découvertes, puis Rimworld, puis Spellcatcher University. Ah, mais t'as lavé combien d'heures? La vache, 5 découvertes. Waouh, monsieur quoi. On va décaler ça ici. Qu'est-ce qui se passe? 10h. Ah oui, bah oui, ça fait un beau live, ouais. Depuis 5h du matin. Depuis 5h du matin? T'es en live? Ça va? Large. Là, on est à portée, parfait. On peut envoyer des œufs, envoyer des œufs, envoyer des œufs. Ici, ils n'ont plus d'œufs non plus. J'avais envoyé des œufs ici. C'est parti, envoyer des œufs. Et il nous manque des œufs, il nous manque une case là. Ce qu'on va peut-être faire du coup, c'est l'inverse là. Ça, on va virer cette route. On va la faire là. Ensuite, on va décaler tout ça d'une case. Et du coup, toi, on va pouvoir faire une route ici. Non, ça passe pas. Et merde! Il faut qu'on décale toi d'une case. Voilà, et là du coup t'es assez près. Voilà, parfait. Et on a de la satisfaction trop basse ici, pourquoi? Il faudrait que tu sois plus satisfait pour ce niveau de recherche. T'es trop loin du magasin d'accessoires. Ah oui, le magasin d'accessoires là, il amène pas jusqu'ici. Anak. Il va nous en falloir un autre. Putain, ça coûte une blinde en plus. Tant pis. Ça servira. Alors, où sont nos trucs? Ils sont là. Voilà, parfait. Au moins, eux, maintenant, ils sont contents. Et bah, du coup, ouais, j'imagine... Mad, bonne app. Repose-toi bien. Bah, faudrait de l'encens, c'est un peu emmerdant. De la viande fumée. Avec de la viande fumée, on va bien monter nos gens. Et eux, ils seraient pas contre du poisson, tiens. On pourrait faire du poisson, c'est assez simple. On pourrait faire une petite zone de pêche ici, là. Hop, on a juste une place pour un petit pont. Ah merde, il n'y a pas la place. Non, c'est un conduit que j'ai sélectionné, c'est ça, oui. Voilà. Un petit pont.
c'est pas relié. Ici, voilà. On va vous poser un petit comptoir des familles. Comptoir, le poisson, le poisson, le poisson, le poisson. C'est parti pour du poisson. Voilà. Par contre, ça nous consomme un max d'habitants des plaines. Est-ce qu'ils seraient pour du poisson, eux? Ils en mangent, mais ça ne les rend pas particulièrement jouasses. Ils préféreraient de la viande fumée ou de la bière, tiens. Vous n'avez pas de bière, vous aussi? Il y en a certains qui ont de la bière, mais pas tous. Où sont nos auberges? Là, il y a une auberge. Ah oui, il n'y a que ces trois-là qui n'ont pas de bière. Pourquoi pas? Ils s'en branlent de la bière. Ils seraient pour des courses de yak. Mettre quelques gongs pour aider. Tac, 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 tac. Voilà. Hop, hop. Et venir du monde. Gagner un peu de sous. Parce que là, 393, c'est pas oufissime. Là c'est pareil, vous, vous êtes trop loin pour le magasin d'accessoires, il nous faudra un autre magasin d'accessoires. Est-ce qu'on peut en caler un là? Yes. Et du coup, on en envoie un petit peu. Voilà, parfait. J'ai 96 de dons qui sont pas collectés, d'avoir une maison dans un coin qui collecte pas, c'est pas la mort. Y a pas vraiment moyen de savoir en fait, c'est ça qui est un peu dommage dans le jeu. On manque un peu de vision en fait. Ouais, c'est ces maisons-là, là. Ouais, on va mettre des moines ici, hein, ça pourrait être pas mal, une petite statue. Un petit truc à don. Cherchez ton bus. Ah oui, il faut une route, là. On va faire une route, du coup. Voilà. Tac, et on va leur mettre un petit truc à don. Voilà, il n'y a plus rien de pas collecté. Maintenant, il nous faut plus d'ustensiles. Donc là, on est en déj d'ustensiles. On en fait déjà 20. Est-ce qu'on est au maximum? Et si on veut faire plus d'ustensiles, il nous faut une autre mine de cuivre. Oups. Et on n'en a pas dans le coin. On a là, il y en a là. On n'y est pas encore ici, on a là, on n'y est pas non plus. Là, il y en a, mais on n'y est pas non plus. Ah oui, là, c'est sur du... J'ai construit sur du... Sur du verre, là. C'est peut-être pas idéal, ça. On va peut-être plutôt mettre notre pêcherie par là. Comme ça, on va ouvrir le chemin par là-bas. Zone de pêche, ça sera ici, plutôt. Donc on va longer. Un petit conduit, on peut en faire un là. Parfait. Là tu vas ici. On va refaire de la route. Là, donc ils ont ce qu'il faut. Bon, là on peut virer un peu tout ce bordel moche là. Et ok, 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 ok. On a 105 d'aide financière à cause de ces mecs qui n'ont pas ce qu'il faut. Donc du coup, on est reparti pour une mine. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément déplacer toute la production là-bas. On va initialiser ça. Ça, on va détruire. Vous tous, vous allez par là-bas. Alors, l'objectif, ça va être d'avoir un chemin le plus court possible. Hop. J'aurais pu le garder du coup mon comptoir et juste le déplacer, c'est pas grave.
Alors ça va nous coûter de la main d'œuvre de d'emmener le cuivre là-bas et de le faire revenir les outils, mais l'objectif c'est d'utiliser des yaks pour ça. Donc il nous faut quand même un petit comptoir pour mettre au centre. Toi t'envoies là, t'envoies là, t'envoies là, t'envoies là. Vous envoyez ici, ici, ici. Voilà. Toi du coup, t'envoies là. T'envoies là. Parfait. Et donc, toi on va te sectionner et t'envoies vers les magasins d'accessoires. Donc ici. Ici. Ici, ici, voilà, on est revenu au niveau d'avant. Maintenant, il faut qu'on produise plus. Et justement, normalement, on a du surplus là. Pourquoi tu produis rien, toi? Ah oui, t'as un surplus de 4, mais tu l'envoies pas parce que t'en as pas besoin d'envoyer. Ok, c'est pas grave, on va te faire en sorte que t'aies besoin. T'inquiète. Est-ce qu'on ne devrait pas envoyer un comptoir tout là-bas sur notre autre quartier? Là, j'ai pas mis de truc d'accessoire. Ok, pas de souci. Donc, il nous faut plus de moines. C'est parti pour plus de moines. J'ai plus de sous. Faire une petite maison ici, parfait. J'ai rien compris, Chobiti. T'as presque plus d'artis. J'ai presque, bah oui, je suis bien, je viens de construire justement ce qu'il faut pour. C'est compliqué, bah c'est tout le concept du jeu. C'est compliqué. Il faut toujours travailler, que ce soit optimisé, refaire des nouvelles zones. Est-ce que là, ça porte jusqu'ici? Un peu, mais pas tant. Faut quand même faire deux maisons. Hop, hop, voilà, assez d'artisans. Une avalanche, c'est où? C'est là. Est-ce que ça tient? Oui! Les armes souffrent un peu, mais ça tient. Ok, bon, là on a ouvert ça, on a ouvert ça. Toi tu vas envoyer du poisson genre à l'autre bout du monde. Ça coûte combien? Pas tant. Surtout qu'on va pouvoir augmenter ça. Surtout qu'on pourrait probablement raccourcir le chemin en passant par là, mais c'est pas tout de suite. C'est loin encore. Ouais, bah c'est loin, hein. On y travaille, mais... Mais ça fait du trajet. Ici, on va faire un petit magasin d'accessoires. Pour cette zone. Ça va, je pense, nous permettre d'augmenter notre nombre d'artisans. Hop. Voilà, ça consomme du yak. Vu qu'on a fait ce qu'il faut, c'est pas mal. Maison de plus ici. Petite route là qui passe derrière. Alors que si on a besoin de bois, on a ce qu'il faut. D'ailleurs, on va prendre toi qui sert à rien et on va te mettre là, comme ça tu seras prêt si besoin. Du coup, de la viande fumée, reprenons. On avait fait du sel. Il nous faut du charbon, plus de charbon. Donc notre charbon, on le fait ici. On va faire notre route qu'on avait détruite, du coup. Toi, t'envoies du bois là. Toi, t'envoies du charbon là. Okay. On a 7 de charbon arabe. Ça devrait suffire. On va savoir vite fait.
Il faut 4 de charbon et 8 de viande et 1 de sel pour faire 8 viandes fumées. Donc 8 de viande, c'est 2 élevages de chèvres. On va faire nos élevages de chèvres là. Tant qu'à faire. Et le fumoir également. Deux. Là, il nous faut un petit comptoir pour dispatcher. Parfait. L'idéal, ce serait un comptoir à yak. On peut le mettre là, ouais, parfait. Hop, hop. Donc là, il manque le charbon et le sel. Alors, ça, on va s'en occuper tout de suite. Tant qu'à faire, colle-toi là, toi. Entrée active. Et t'envoies ton sel ici. Et là. Voilà. Parfait. Et donc, il nous manque le charbon. Hop, le charbon. On envoie du charbon ici et là. Et là, du coup, on peut envoyer de la viande fumée. Alors, qui aime la viande fumée? Les habitants des plaines aiment la viande fumée. Les artisans aiment la viande fumée, les moines aiment la viande fumée. Ok, tout le monde aime la viande fumée. C'est parti du coup. Hop, hop. Et hop. Donc on est un peu en dèche. En dèche de combien? Ouh, en dèche de beaucoup, beaucoup, beaucoup. 15 et 5, 20. Waouh. Bon, on va cultiver de la chèvre. Du coup, toi, t'as besoin de plus de bois pour fonctionner à plein, et toi, il te manque pas grand-chose. Donc, bah, du coup, on va sortir notre petit truc juste ici. Hop. On envoie du bois au charbon. Pile de charbon, pile de charbon. Voilà, donc on a suffisamment de charbon. Il nous manque le charbon. Ah oui, du coup, il faut que... J'envoie ici, tac, tac, t'en as pas assez. Il faut plus de charbon, bah faisons plus de charbon. Ouais, t'envoies là. Ah, on a encore pas assez. Tu entres. Encore plus de charbon. Voilà, faisons plus de charbon. Je vous dise moi. Ah, là, on n'a plus de surplus par contre. Là. Il nous faut plus de bois. On n'a plus de sous. Là qui est problématique. Bon, ça on va le virer. On va juste dire que là, on veut envoyer aussi du sel ici et là. Voilà. Ça nous permet de remonter à plus 349, on peut enlever la pause. Et travailler sur nos maisons pour les améliorer. Parfait. Hop, 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 hop. Et hop, voilà. Déjà là, on est à 645. Il nous faut combien? Ouais, il nous faut quand même beaucoup plus en viande fumée. Hein. Vas-y, réactive-toi. Il nous faut plus de bois. On va faire une petite série de plus ici, tant qu'à faire. Tac, 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 tac. On y est presque. Ça rentre là? Non, ça rentre pas. Est-ce qu'on peut faire une série de plus là, histoire de se dire que c'est dans la zone?
Ok, c'est juste que on n'en produit pas suffisamment une fois de plus. Il va nous falloir encore une stack. Juste en faire deux, je pense, ça devrait suffire. Et merci Ardarine. Ça se trouve, moi j'ai pas le bonjour de Bourbeau. Non, ça se trouve, toi t'as pas le bonjour de Bourbeau. Exactement. On sait pas. On sait pas. Ça se trouve, Bourbeau il te dit pas bonjour. Voilà. Par contre, du coup, il va nous falloir une autre mine de sel aussi. Là, donc du coup, toi, t'envoies aussi ce fumoir-là. Toi, t'envoies ici. Et il te manque du charbon. Du charbon, du charbon. Est-ce qu'on a du charbon de rab? On a un de surplus. Il présente ses respects à la démon aussi. Bah, tu vois, pas si mal. Et du coup, on a suffisamment. Il va nous falloir plus de bois. Plus de yak, il nous faut plus de yak effectivement. Alors est-ce qu'on a un petit endroit où on pourrait mettre du yak là? On va rester sur du champ pour le moment. Hop, enfin quoi que, ça se trouve on a assez de monde. Hein. En fourrage, en termes de fourrage. On a 6 de surplus, donc on pourrait encore sécher un petit peu de yak, faire du yak séché. Aïe aïe aïe. Et du coup. Hop et hop. Voilà. Et du coup, plus de monde, plus d'habitants des plaines. Autre part là, tant qu'à faire. Voilà, ici on va recouper aussi, ça fait pas de mal. On va leur mettre un petit hôtel. Hop, hop, hop. Parfait. Ici, il ramasse pas de sous par contre, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait le descendre un peu? On pourrait le descendre d'une case. Ouais. On va faire une route là, ce serait je pense plus rentable. Ouais, voilà, carrément plus rentable. Bon, ensuite. On va enlever la pause pour faire de la, des sous et on a de la viande fumée. Ça a fonctionné, ce n'était pas si difficile. Au moins cette question est réglée, nous pouvons désormais nous consacrer à d'autres. Et j'y pense, pourquoi ne pas utiliser ce sel pour d'autres choses? Un peu de thé au beurre me ferait le plus grand bien. Pour me permettre de me concentrer sur notre quête sacrée, cela va de soi. Bonne idée, le beurre est source de vitamines, et diversifier notre régime alimentaire sera le bienvenu. Oh, allons! Même vous, vous ne pouvez pas résister à cette friandise. Et les yaks adorent l'odeur, pas vrai mon chou? Du thé au beurre. Eh bien, alors du coup, par contre, on a un problème. Satisfaction trop basse. Ah, on n'a pas assez... d'accessoires, pas assez de viande fumée. Ok, d'un coup on a pas assez de plein de choses. Qu'est-ce qu'ils ont ici là? Ah oui, il n'y a pas assez de fourrage, il n'y a que moitié de yak. C'est pas très grave. La priorité c'est d'augmenter notre production ici. Est-ce qu'on a du surplus? Si on n'a pas de surplus, merde, il nous faut une autre mine de cuivre. On peut en faire une là. Du coup on va s'étendre. Bon bah si tu veux aller chercher ton thé glacé, vas-y. Aucune raison de se priver, j'ai envie de te dire. Plutôt que du thé au beurre. Plutôt que du thé au beurre. Après, si t'as pas de goût, c'est autre chose, mais... Mais je... Hop là. Voilà. Du coup, il nous faudrait un chaudronnier supplémentaire. C'est parti. Qu'on voit là, qu'on voit là. Voilà.
ça c'est bon. Et là, il nous faut encore plus de barbac. De morphal, quoi. On envoie la viande là. Il nous faudrait un fumoir de plus. Ou est-ce qu'on pourrait le mettre juste derrière là, je pense que ça le fait. Ah non, faut qu'on puisse envoyer la viande. On peut le faire là. On peut changer ça de côté. Pour nous donner plus de place pour nos fumoirs. Ça semble simple au début, mais il se complexifie assez vite le jeu. Carrément, ouais. Ah oui, c'est... C'est tout à fait le cas, je confirme. Pourquoi là, ça fonctionne pas? J'ai fait un fumoir de trop. Ah oui, j'ai fait que deux chèvreries, effectivement. On va s'emmerder, on va directement faire ce qu'il faut, voilà. Donc ici, il nous faut du sel et du charbon. Le charbon, ça va être la dèche. Le sel, ça devrait aller. Il en reste même un de surplus. Par contre, le charbon, on n'a plus rien. Nos trucs, ils ne tournent pas à plein. Ok, donc il nous faudra un autre endroit avec des scieries. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres avalanches qu'on n'aurait pas vu ici, mais on n'a rien. Là, non. Donc déjà, il n'y a rien à protéger pour des avalanches. Ce qui veut dire qu'on pourrait envisager de le faire ailleurs. Si on le fait tout en bas, ça fait 6. Ouais, mais on garde ça pour les yaks et l'orge. À moins de pouvoir éventuellement caser de la scierie dans les trous. Pas trop. On va se préparer à protéger d'une avalanche ici, du coup. Voilà. On va faire un petit pont. Ils sont jolis les ponts aussi. Tu peux zoomer un peu pour qu'on les voit. Je zoomerai sur les ponts, mais après. Voilà, un pont. Ah, oh, c'est pas des yaks, c'est les petits ornements. Non, les petits lamas. Ou... il nous faut un comptoir. Pif, paf, ouf. Et donc, il faut l'envoyer, il faut l'envoyer, il faut l'envoyer au truc à charbon. Ici. Ce qui nous coûte une blinde. On va faire quelques maisons de plus. Clairement, là on a de la place. Maison, maison, maison. Hop, encore un peu. Est-ce que ça va jusqu'en haut? Oui. Pas assez. On peut faire de la maison là, de la maison là. Là il y a un truc d'accessoire, donc c'est pas mal là. Ah non, ils sont trop loin là. Ok, on va vous déplacer en face. Voilà, parfait. Excellent. Alors, on a un approvisionnement trop bas en bière. Voyez-vous ça? On fait pas assez de bière. Non, j'ai pas fait de course de yak encore. Faut dire que ça commence à manquer un peu de place. On pourrait faire une course de yak au milieu là, ça serait pas mal en fait. Virer cette route. Ah, on peut pas, il faut plus d'argent. Oh, l'argent. Et l'autre taupière, c'est quoi? C'est pas un yak? Ça là? Non, le taupière. Ça? Non, le taupière. Ça? Ah, c'est juste un arbre. Ok. Même pas un taupière. Alors, il faut qu'on bouge des maisons. Et... Hop là. Il y aurait plein de gens qui seraient contents. Oui, visiblement ça... S'en foutent un peu, s'en foutent, bizarrement. Ils veulent de la boue. Le panier c'est de la boue. Eux ça les intéresse? Non. Bah c'est marrant, tiens, ils s'en foutent tous. Bah... Et que les moines qui sont intéressés par des courses de yak. Je pensais que les artisans seraient intéressés par des courses de yak, mais... Pas dans cette partie-là.
c'est pas grave. C'est quand même fait. Il nous faut quand même plus de bière, du coup. Donc, pour faire plus de bière... Tiens, une petite amélioration, là. Ici, on est au max. On a 0 surplus d'orge ici, et là... On a 24 de surplus. Ok, donc on peut facilement faire une... brasserie de plus. Il nous faut du charbon pour la brasserie. Ça devrait aller. Est-ce qu'on peut la rentrer là? Non. La rentrer là, foutre là. Hop, tu vas là, toi. Donc, ici. Et tu fais des vêtements, laine de yak ? Pof, pourquoi tu n'envoies rien ces moulins-là ? Parce qu'ils ont déjà, ils reçoivent déjà d'autres ailleurs. Mais non, c'est pas ça, c'est ça. Hop. Et du charbon. Le charbon, c'est ça. On n'en a pas tant. Mais ça suffit pour faire ce qu'il faut en bière. Ok. Par contre, il nous faut plus d'artisans. Ouh, ça faisait longtemps. Ici, normalement, on devrait pouvoir se faire plaisir. Là, on peut faire une ligne d'artisans. Alors, on peut pas faire de vêtements en yak, mais on peut faire des... Comment ça s'appelle? Des tapisseries. Voilà, je trouvais plus le mot. Bah, il s'habille de tapisserie. Alors. Ça, on l'envoie à quel endroit déjà? C'est la teinture. On l'envoyait en direct. Ah oui, on l'envoyait en direct. Donc c'est qui a du manque? C'est toi qui a du manque. Là. Voilà, ça nous fait un peu de yak. En termes de charbon, on est de nouveau en dèche. Terminer la carte à temps. Oh là là! Les gens ont peur! Nous devons renforcer leur motivation! Ok, il faut faire de l'encens en urgence. Il nous faut encore du cèdre. Donc du cèdre, on en avait commencé à en faire ici. On va faire un peu plus. Voilà, 2. Et de l'herboriste. Et il nous faut 12 herbes et 4 de cèdre pour faire 12 d'encens. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait carrément aller. On va envoyer ça là et là. Je sais pas, parce qu'il va te falloir plus de moines, plus d'artisans, plus de yak. Ça, c'est de l'or. Ah bah bien sûr, il va falloir plus de tout, ça c'est le concept même du jeu. On pourrait peut-être faire directement notre fabrique d'encens ici. Et il faut de l'herbe. De l'herbe, c'est pareil, on pourrait la faire là, tant qu'à faire. On peut passer là, non? Ouais, il faut faire un petit peu. Mmh. Hop, on va faire de l'herbe ici. Mais non. Suffit. On pourrait peut-être faire du poisson là d'ailleurs, mais bon. C'est pas la priorité. Il nous en faut 12 comme ça. Voilà, donc là on fait de l'encens. Il nous faut donc un comptoir à yak. Et des sanctuaires. Et il nous faut un maximum de maisons. On peut faire deux maisons de moines. Il fait jusqu'où? Ah oui, c'est pareil. Alors là, il pleut, donc ça va. Mais s'il neige, ça peut augmenter la force des avalanches aussi. Ok, voilà. Voilà, on va gagner un peu de sous. Commencer à faire quelques maisons de moines supplémentaires. Ils sont trop loin de l'académie, malheureusement. On pourra mettre une maison là, peut-être. Il y a de quoi? Non, il n'y a pas de quoi. On va pouvoir leur...
leur faire un petit hôtel à prière par là. Un petit gong. Voilà, et on va leur faire de l'encens, ils ressemblent à des gongs. Il n'y a même pas de petit ornement, il y a que sérieux. On pourrait faire des maisons par là-bas. L'idéal, ce serait d'avoir une petite route pour emmener notre académie. Peut-être déplacer ça là. Une petite route là, et du coup, voilà, là, on peut avoir... Zut, là, on est trop loin du marché, il n'y a pas grand-chose. Donc on va faire de la route comme ça, ici, et là, ça suffit pas, non. De justesse, bah du coup on va la déplacer là, c'est pas grave. Hein. Hop, hop, hop. Ok, on a suffisamment de moines, regagnons quelques sous. Et on a plus assez de viande fumée par contre, comme d'hab. Mais on voulait faire de l'encens avant que ça soit le drame. Donc de l'encens, il nous faut des sanctuaires. Encore un truc qui prend plein de place. On va virer une maison. Là, je suis désolé les gars, mais... C'est la vie. Voilà, de l'encens et toi... T'envoies ici, voilà. Hop, 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 hop. Petit sanctuaire, ça ressemble à un sanctuaire en sang. Voilà. Ah oui, avec plein de bougies et un trophée en tête d'Oyak. Un trophée en tête d'Oyak, exactement. Ok, on est reparti sur le thé au beurre. Alors, est-ce que les artisans, ils seraient pour avoir de l'encens? Ils s'en tamponnent complètement. Eux, il leur faut du plus-plus. On pourrait leur mettre un peu d'ornement. Bah, y a pas... pourquoi il n'y a pas eu d'avalanche? Eh bah, écoute, j'ai pas fait gaffe. Il y a eu une avalanche, mais on... bah, elle était là. On l'a arrêté. On va leur mettre quelques petits ornements. Alors, est-ce qu'on a la place pour un taupière? Oui, mais on n'a pas vraiment de route. Là, non. Là, on pourrait en mettre un. Hop. Excellent. Vous, vous avez pas d'hôtel, vous. On va vous mettre un petit hôtel. Un trou, là. Je crois qu'on peut faire ça dans notre jardin. Un petit taupière en forme de yak. Un petit taupière en forme de yak dans le jardin. Bah, écoute... J'ai envie de te dire, pourquoi pas, hein. Après tout. Qui suis-je pour juger? Bah, le propriétaire du jardin. C'est vrai, je suis aussi le propriétaire du jardin. Est-ce qu'on a moyen de mettre un autre truc là, de ce genre? Alors là, et on faufile une route ici. Par contre, du coup, on a assez de place. Si je me mets là, non, mais je pourrais faire un séchoir de plus, et du coup toi t'envoyer par là, tu vas arrêter d'envoyer là, tu vas envoyer là à la place. Toi tu vas envoyer là. Ah non, t'es pas à portée, zut. Explique qu'on voit là, c'est celui-là. Toi tu vas arrêter d'envoyer là, tu vas envoyer ici, toi tu vas envoyer là. Et il nous faut... Ouh, c'est la merde ici, en termes de production. Faut qu'on s'en occupe. Voilà, on a du hack. Maintenant, là, viande fumée et poisson. Ah, on n'a plus du tout de viande fumée. Très bien. Parce que là, on n'a plus de ressources, parce qu'on n'a plus de charbon. On n'a plus de charbon parce que... bah, je sais pas pourquoi, mais... Les arbres, ils vont... On en fait 24. Non, non, nos trucs à charbon fonctionnent à plein. Il nous faut juste plus de trucs à charbon. On peut en mettre un là. Yes, mettre une petite route. On voit là. Et donc du bois. Avec le bois qu'on a fait là, on a un petit surplus. Pas oufissime, mais peut-être suffisant.
ça suffit pas. Ils reçoivent pas de charbon. J'ai peut-être pas terminé mon truc ici. J'ai pas terminé mon truc ici. Sérieusement? C'est vraiment qu'on en produit absolument pas assez, quoi. Et là, c'est pareil en termes de poissons. Alors là, par contre, on va pouvoir en faire plus assez facilement. Et cette route qui voit la place, là. Voilà. Ok. On passe en route comme ça. Et du coup, est-ce qu'on peut caler une petite pêcherie de plus? Voilà, parfait. Du poisson, c'est bon. Du coup, du charbon. Du charbon, c'est problématique. Donc toi, tu fonctionnes très loin d'être à plein. Et même quand tu fonctionneras à plein, on risque de pas avoir assez. Là, on fait suffisamment. Ce qui fait que là, du coup... On fonctionne à plein, mais encore un fumoir qui marche pas. Mais du coup, je leur ai pas dit d'envoyer là. Ok, alors du coup, ça suffit pour le moment, visiblement. Non, il leur faut encore un peu plus, mais au moins... Ouais, 8 pour 8, 2. On leur donne plus d'aide financière, c'est déjà pas mal. Du coup, il faudrait voir si on peut... Ça là, c'est trop loin du coup. Ouais. Donc là, et donc là, on peut mettre une petite route qui se rabat par là. Faire un petit fumoir. Pas un fumoir, hein. Un truc à charbon. Là, t'as zéro surplus, mais on va s'en occuper. Ici, c'est notre zone à scierie pour le moment. Peut-être qu'on le bougera, mais. Hop, hop, hop. T'es pas à portée, toi, t'es sérieux? Ah, là, t'es à portée. Voilà, ok. On a suffisamment de bois, on a suffisamment de charbon, on a suffisamment de viande fumée pour le moment. Parfait. Du coup, notre thé au beurre. On n'a pas encore commencé. Le thé au beurre, c'est de la nourriture. Ah, il faut être niveau 5 de... D'accord, donc il nous faudrait une académie de plus. Ça pourrait être l'occasion éventuellement de faire un quartier de moines quelque part. Où ça? Là? Là? Tout là, c'est moins loin des chaînes de production pour le moment en tout cas. Et du coup, on pourrait en profiter pour faire les murs, là, que j'ai jamais vraiment fait. Ça permet d'isoler le dortoir monastique. Ils ont très envie d'être isolés ou pas? Ouais, quand même, hein. Il leur faudrait plus d'encens aussi. On en consomme combien de l'encens? Là, 10 quand même, hein. Il faudra qu'on produise beaucoup, beaucoup plus d'encens. Pour le moment, c'est pas grave. On pourrait faire un quartier de moines, du coup. Quartier de moines. Là. On fait un deuxième monastère. On vire le premier, on vire le... On vire l'académie, on fait un deuxième monastère, plutôt. On vire ça. Il faut... je sais pas où. Un endroit qui nous dérange pas. Voilà. On l'a laissé activer pour le moment. Pour pas perdre notre niveau de recherche. Et donc l'objectif, ce sera de faire fonctionner un monastère ici. Non, pour l'instant par contre. On va le désactiver, clairement. Donc là, on avait 8 sur 6. Ouais, vache, on va galérer, hein. Il faudrait qu'on fasse un comptoir routier quelque part, là. Alors là, ça passerait, non, ça passe pas.
En vrai, tu peux décaler tes machins là, les trucs bleus. Les trucs bleus. Là, et de l'autre côté, et enlever la route. Oui, et. Bah, ça fait. Ah non, ça fait 3 de large. Oui, ça fait 3 de large. Ah merde. En plus, il faut que ce soit sur les routes illuminées là. Peut-être ici. Bon, il n'y a pas la place là. La place. Et si je décale ça en haut. Ouais, par contre, il est trop loin. Peut-être en décaler un autre. Décaler un autre. Ah oui, non. Bah, ce que je peux peut-être faire, c'est genre toi, je te mets là. Toi, je te mets plutôt central. Toi, du coup, tu viens là. Et là, on peut faire un comptoir routier qui va servir à ça. Là, toi, t'envoies ici. Et donc là, du coup, on a un surplus de 2. Je pensais pas comme ça. Tu pensais pas comme ça? Bah, je sais pas. Je pensais, tu fais des routes comme ça et tu mets 2 l'un à côté de l'autre. Vu que ta route là, elle sert à rien. Non, mais si je mets des routes qui traversent, j'aurai pas la place de les rentrer. Bah, si, vu que tu veux en mettre 2 au lieu d'en mettre 3. Enfin, tu veux en mettre 2x2 au lieu de 3. Ah, oui, tu veux dire, je fais pif, pouf, une route comme ça. Pif, et t'enlèves la route. On peut essayer de voir ce que ça donne, ouais. Il est trop loin. Pas grave, on verra après. Donc j'aurai une route comme ça. Toi tu viens là du coup, tant qu'à faire. On n'a pas besoin d'une route comme ça limite. Est-ce que je peux gagner de la place ici pour mettre celui-là? Non. Oui bah écoute, très bien. Très bien, très bien. Très bien, donc du coup là il faut qu'on fasse plus de cèdre peint. Donc au niveau cristaux on devrait être bien je pense. Un surplus de 2, donc c'est suffisant. Alors l'idéal, ce serait d'être à portée de ça. Ouais. Ça commence à être trop serré là, faudrait qu'on déplace des trucs. Peut-être... Peut-être le truc de Yak. Déplacer là-bas. Enfin, s'il y a que les moines qui aiment la course de Yak, ça peut... Non, je parle de l'élevage de Yak. La course de Yak n'a rien à voir, elle est tout là. Elle est ici. Ah oui, je... Et non, il y a eux aussi qui aiment la course de Yak. Ah, oui. Bah, tu vois, en fait, ça se voit quand on sélectionne, c'est les bâtiments qui sont sur brillance. Eux, ils s'en foutent. Et rien à branler de la course de Yak. Mais ça dépend des scénarios, hein, parce que par exemple dans le scénario où on devait faire plein de yaks, tout le monde était fan de la course de yaks. Donc ça dépend vraiment des scénarios. Vas-y, c'est une petite route là. Ouais. Faut réapprendre à chaque scénario. Ouais, faut regarder ce que tu peux faire à chaque scénario exactement. Ouais, on se fait du blé, pas de souci. Ensuite, décaler ça. Ou décaler tout ça. Sachant que on a notre production de cèdre ici. C'est déjà largement suffisante. Donc il faut juste... Ouais, il faudrait qu'on décale éventuellement cette production là. La teinturerie, on la met ailleurs. Juste bouger la teinturerie, ça me dérange pas, hein, franchement. On va mettre là. Donc, toi du coup, t'envoies la teinturerie, parfait. Toi du coup, on te détruit. La teinturerie, il lui faut quoi? Il lui faut l'herbe aussi. Ah oui, du coup, on avait mis des trucs à herbe ici. Non, pas du tout. Ça doit venir d'ailleurs. Pas de problème.
Donc on va vers une deuxième teinturerie, un petit comptoir. Toi t'envoies ici. Et là. Voilà. Du coup, il va nous falloir une autre teinturerie. Sachant qu'il faut envoyer tout là-bas, donc de toute façon. Autant qu'on la pose par là. La portée. Voilà, excellent. Hop. Ouais, mais ça en fait 4. Il en faut 2. Sachant qu'elle est faite déjà du rab. En fait, il faudrait que je fasse ces 4 là, plus celle qui est là. Ah, je suis trop long. Pas moyen de recaler le comptoir. Si, peut-être ici. On a viré ça. Toi, t'envoies là. T'envoies là. T'envoies là. Non, ça c'est pas à portée, zut. Toi, t'envoies ici et là. Pourquoi tu reçois pas suffisamment? Ah, toi non plus, t'es pas à portée, zut. Qu'est-ce qu'on fait? De la route en caillasse. Voilà, ok. Déjà là, on est bien. Toi, on est bien. On a un surplus de plus 2. Donc lui, ici, il lui manque de la teinturerie, du bois. Donc du bois, c'est facile. Hop, voilà, t'as du bois et de la teinture. Il faut que toi... On t'amène du cristaux, des herbes. Cristaux. Et les herbes, elles viennent d'où? De là. On a un surplus, parfait. Excellent. Excellent, excellent. Et du coup, il te faut la teinture. Ah oui, j'ai pas demandé à l'envoyer. Pour la teinture, voilà, un peintre de cèdre. Parfait, et là du coup, on n'a pas ce qu'il faut, pourquoi? Si je l'active, on a ce qu'il faut. On va pouvoir virer ça. On va juste la désactiver pour le moment, au cas où on ait besoin un moment d'un niveau 6 de recherche. Il nous manque quelques moines, mais on va pouvoir activer. Parfait, ça c'est excellent. On a deux monastères, on va être au niveau 6 de recherche, ce qui est, je pense, le maximum. Tissage de tapis. Ouais, c'est le maximum, ok. Donc peut-être pour là, ouais, c'est le maximum aussi. Donc on peut virer ça, du coup. Ça ne nous sert plus à rien. Et là, on commence à être pas mal. Il faut donc qu'on attaque le... au beurre, maintenant qu'on a de quoi en faire, on a le niveau de recherche pour en faire. Alors le thé au beurre, il faut du lait, donc il va nous falloir des étables à yak dans une zone verte. Ensuite on en fait du beurre. Il nous faut également de l'herbe, du sel pour fabriquer du beurre. Donc la priorité, ça va être de poser ça. On avait une petite zone verte où il restait peut-être un peu de place, là. Voilà, là. On pose deux trucs comme ça. Ouais, mais on peut pas bouger, on va descendre ça d'une case. Ça va peut-être nous permettre d'en faire un de plus. Non, pas. Hop. Hop. Donc là, on a 18 de lait. 18 de lait. Il faut 6 barres à beurre. Se remettre sur notre zone de production, là. C'est du bon beurre de barate. C'est du bon beurre de barate, exactement. On va faire notre production dans ce coin-là. On va avoir de la place. Donc
Voilà, on garde de la place pour mettre des bâtiments si nécessaire, et on va se mettre par là. Donc, on fait 18 de lait. On a fait 0 fromage pour le moment, donc il nous sert qu'à ça. Donc c'est parti. Toi, t'envoies ton lait là. Là. Et là. Après ça. Herboriste, mine de sel, fabrique de thé au beurre. On pourrait faire de l'herboristerie ici sans trop de problèmes. Voilà. Donc la fabrique de thé au beurre, il faut 3 herbes, 9 de beurre et 1 de sel. J'ai fait un peu trop d'herbes là. Bon, c'est pas très grave. On va les désactiver. Alors il va nous falloir plus de monde. Hein. On va s'en occuper après avant d'enlever la pause. Il va nous falloir un petit comptoir de dispersion. Mais pas trop loin là. Non, ça va. Tac tac. Toi t'envoies là, t'envoies là. Toi t'envoies. Vous voyez ici, puis toi là, tant qu'à faire. Et donc après du sel, notre sel il est là, est-ce qu'on a du surplus? On a un de surplus. Ça commence à être la dèche de sel. Hein. Puis le sel on peut pas le produire donc... potentiellement on l'a dans l'os après. Peut-être qu'il faudra restreindre, il y a des gens qui mangent du poisson. Peut-être qu'il faudra restreindre, oui. On va déjà faire notre dernière mine de sel. Voilà, hop, ici. Donc là, on a suffisamment de sel. C'est là. Donc là, on fait 18 de thé au beurre. Il faut l'envoyer au moine en priorité. Donc on va l'envoyer là. Et là. Il faut plus de moines. Plus et on n'en a pas assez. On n'a pas assez de thé au beurre. Ok, on va peut-être arrêter de l'envoyer là, du coup. Pas là, voilà. Plus de moines. Là, on n'augmente pas les maisons de moines, malheureusement. Ils ont leur thé au beurre, mais il leur faudrait de l'illumination. Y a pas d'hôtel à prière, là? Sérieusement? De l'illumination, il leur faudrait des gardiens des yaks, c'est gros. Ouais, c'est assez gros. Ouais. C'est assez gros. On va détruire des maisons. On met un là, au centre, encore mieux ici. On va décaler un petit peu ta route, sinon ton gardien des yaks. Décaler ma route. Celle-là, là, la décaler là. Oui. Essayez. Est-ce qu'il sera apporté? Il faut se concentrer sur les moines, voilà. Il va manquer du thé au beurre aussi, visiblement. Et plein de yak. Alors, en termes d'orge, on en est où? On a un surplus, donc on pourrait faire sécher encore un petit peu plus de fourrage pour créer du yak. C'est parti. Tac, 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 tac. Il faut plus. Toi tu vas ici, 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 voilà. Maintenant le fourrage.
C'est pas toi, c'est toi. On n'a pas assez, je pense. Non, carrément pas assez. Mais bon, ça suffit déjà pour le yak. Ok. Par contre, du coup, c'est la merde avec les artisans. Là, on commence à être un peu compliqué hein, pour amener. Il faut vraiment relancer des chaînes, décorations, tapisseries. Il serait intéressé par des gardiens de yak, sinon. Un petit gardien de lac yak là, là, ça serait pas mal. Ça suffit pas pour les faire monter. Ah oui, parce que du coup, c'est pas de la prospérité. Il leur faut de la prospérité, absolument. Ouf, ça va être chaud. Ça va être tendu. Est-ce que eux, ça serait pas plus simple? Eux, on peut réussir à gratter en mettant un peu d'ornement. Histoire de quoi. Là ils ont déjà, non là il a pas d'ornement lui. Il doit être dans un angle mort. Faire plus de maisons hein, tout simplement. On a encore ce qu'il faut. Voilà. Donc du coup il nous faut un peu plus d'orge, enfin de paille précisément. Suffisamment là. Il y en a un qui travaille pas. Okay. Mais ça suffit déjà pour compenser un peu. Ok, parfait. Alors il nous manque un petit peu de théobeurre ici. On va enlever la pause parce que est large. Et après il faut des lampes à beurre. Ah bah voilà, on y arrive. Des lampes à beurre. Alors les lampes à beurre c'est pareil, c'est un truc de fou. Ah, c'est de la prospérité. Une avalanche, ah non. Ici, bon ici on a rien. Merde. Ma touche ne fonctionne plus. Ma touche de pause ne fonctionne plus. Viens là toi. Faut déneiger. Faut déneiger les gars. Du coup, il va nous falloir du bois dans le coin. Ah, il se met à neiger, merde. Ça, c'est pas cool, ça. Ça serait mieux de le faire ici, parce que si je le fais là, ils amèneront deux. Donc je pense qu'on va décaler ça et faire un truc là, du coup. On peut te décaler un peu, toi. Ouais, parfait. Toi tu vas venir ici, toi tu le désactives et tu vas venir ici, on va récupérer la route. Là, ensuite, on fait un gros pôle de scierie, on va peut-être même... C'est trop... toc, décale d'une case, ça sera plus intelligent. C'est la route. On la fait passer là, on peut virer ça. Et caler une scierie, non, ah, on peut pas, quand même pas caler de scierie, tant pis. Hop, hop, hop. Hop là. On va mettre du bois supplémentaire là si on veut, mais du coup pour le moment. Hop, 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 hop. Et donc toi, t'envoies ça au charbon. Qui ne fonctionne pas à fond. Toi, tu fonctionnes pas à fond. Ok.
Cela dit, je suis en train de me dire, je peux peut-être faire plus efficace. Alors toi, je vais plutôt te dire d'envoyer toi, là. Beaucoup plus logique. Par contre, il faut qu'effectivement lui, il envoie à tout le monde, sinon ça marche pas. À toi aussi, voilà, c'est mieux. Et donc, ici, on a du bois, on va envoyer... Alors là, pour le coup, c'est plus rentable d'envoyer directement, j'ai l'impression. Donc, envoyer là. Là, ça fait un bon... Hop, voilà. On fait plein de charbon. Charbon, c'est des chats qui sont bons. Du charbon, c'est des chats qui sont bons. Mmh. C'est une question. C'est une question. J'en étais pas noté que c'était une question. Je dois bien avouer que je ne m'en étais pas douté. Du coup, c'est pas la réponse. Bon, je sais pas la réponse. Exactement, je ne sais pas la réponse. Bon, de toute façon, il va falloir faire plus de thé au beurre. Tant bien, on avait fait plein d'herbes en rab. Est-ce qu'il faut de l'herbe pour les lampes à beurre? Il faut du lait. Il faut du bois, ah parce qu'il faut du charbon, excellent. Il faut du beurre, il faut du cuivre, parce qu'il faut... Ah oui, il faut de la chaudronnerie. On a du rab de chaudronnerie, elle est là notre chaudronnerie, on a un surplus de 1. Ça va être tendu. Mais là, on est à 7 sur 7, donc théoriquement, on devrait pouvoir en avoir plus. Hein. Là, du coup, on a un surplus de 1. Et là, on reçoit du cuivre qui nous sert à rien pour le... Ok, c'est bon. Ce qu'il faut en cuivre, c'est pas un problème. Hop, hop, voilà. On passe à 11 de surplus et on est tranquille. Et du coup, on va arrêter l'épisode de Veolela, parce qu'il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le live, c'est le moment. Je bois un petit coup d'eau, comme d'habitude. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!